survive, alas. They got me in the sights. Aïe. Par là-bas, par là-bas. Du quoi? Du Feldspar? Ah ouais, je pourrais récolter du fer pour l'autre. Tant que j'y suis. Bah, je crois que c'est les trois fers qui sautaient en plus. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et c'est du cuivre. Alors, les plantes, les arbres. Les arbres, les arbres. Lui, il est trop gros, trop gros, trop gros. L'érable, ça c'est trop gros. Ok, si ça peut me distraire un peu. Putain, avec les plantes, je vois pas. Ça se mine ça, non? Là, ici, y a pas d'érable. Ça, c'est trop gros. Des érables, où êtes-vous? Mais vraiment pas nombreux les gars, pas marrant. Ce sont des pins. Ça. Ah c'est des pins. C'est des pins. Donc si on s'approche des failles comme ça, je ne trouverai pas d'érable. L'érable est plus proche de source d'eau. Comme ça. Il y a une bestiole qui arrive vers moi en face là. Qu'est-ce que c'est que donc? Ah, c'est des bandits. Ah, il y a un érable juste là. Ah, aussi, il y en a un. Il y en a même deux. Même trois. Il y en a un sur la gauche. Allez, plus d'érable ma grande s'il te plaît. On va pas y mettre 50 ans non plus. Alors un ouvrier agricole de la ferme Moretti. Une grande ferme appartenant à la famille Moretti. Elle a assuré la succession de la ferme Moretti après avoir perdu son mari à cause des monstres. La ferme des Moretti la plus cultive. La plus productive, ok. Oh, oh cabotine, je vais chier. Alors ici il y a un érable. Facteur de risque en tout lieu. Le col d'Aidel est un croisement majeur qui relie Balenos et Serendia. Les wagons de fret s'y multiplient. Le seul problème est que les mouflons sont souvent percutés par les wagons. Okay. C'est ballot ça. Super. Où est-ce qu'on avait vu un autre d'érable? Là. Ah, elle est morte. Ah.
encore un. Non, on est en dessous. Alors je crois que c'est 5 frames, 5 bois pour une planche. Si ma mémoire est bonne. On est à 13. Je vais monter à 15, on va voir. Après, avec de la chance, on peut très bien avoir deux planches pour une construction. Avec de la chance. Oh, c'est bien, il y a beaucoup d'érable ici. On fait ce petit dernier. On commence le défi. Oh là! Alors. Coupe l'érable. Commencez. Alors, t'en fais combien avec 1? J'en ai 17. C'est pas grave, du moment que tu le fais. Yes, 2. Ça fait qu'une seule, ce serait super. Nice. Oh, je suis parti si loin que ça avec sans mon cheval, moi. J'ai abandonné Voldemort. Voldemort, where are you? Mon frère Monicu gagne une fortune en ce moment. Je veux m'installer dans la région centrale, mais j'ai peur des rebelles. Alors Voldemort, Voldemort, alors là je l'ai complètement. J'ai complètement perdu. Ouais non, il est bien là-bas. Il est bien là-bas, il se la coule douce. Comment ça, re... Ah mais sympa, petite musique d'ambiance. Alors, c'est pas pour toi, c'est pour elle. Ah non? C'est pour toi? Attends, je suis pas fou quand même. Ah voilà, c'est lui. C'est lui que j'étais voir. Donner les planches d'érable. Je suis pas fou, hein, c'est bien les planches d'érable hein, que j'ai fait. Alors il faut que je fasse toutes les quêtes avant de pouvoir lui donner. J'ai l'impression, ok. Alors la vieille. Hé, hey, toi! Tu comptes mettre le bazar dans ma ferme? Oh! Tu ne fais pas partie des rebelles! Si tu viens nous aider, mets-toi au travail! Sinon tu pars! Comment? Tu veux aider? J'ai une tâche pour toi! Tu arrives à temps! Tu vois l'entrepôt derrière moi? Il y a une pile de sacs de blé! Prends-en un et va voir le gobelin derrière la ferme. Apporte-lui le sac. T'as un gros rang là.
Pour toi, c'est toujours à moi de transporter les lourdes charges. Je suis peut-être une guerrière, mais je reste une femme. C'est dur de garder une peau lisse et douce. Voilà mon gobelin. Est-ce que Mercian qui t'envoie? Je ne sais rien. J'ai apporté un sac de blé. Tu peux le laisser et partir. N'entre pas dans la grotte. Merci, je vais rester ici. Oh, ouais, non, tu m'avises. C'est bon de m'avises. J'aime bien de m'avises. Alors, il y a une grande derrière toi. Il y aurait une grotte quelque part. Ah bon? Là? Ah ouais, effectivement. La sextape est terminée, les gars. C'était des prisonniers. En tout cas, merci pour la thune, les gars. Il voulait pas que j'entre là-dedans, lui. Bizarre, bizarre. Je soupçonne un complot. Toi, femme, ça bien. Les gobelins sont une chance. Il y a beaucoup de travail à faire à ces Andiens en ce moment. Un outil plus léger et plus résistant. Regarde cet ouvrier gobelin, il travaille vraiment très dur. Notre ferme a de la chance d'avoir des gobelins là où aucun homme ne souhaite aller. Je souhaite l'aider et travailler et trouver de la motivation. À retrouver de la motivation. Tu veux bien m'aider à fabriquer un nouvel outil? Une houe en bronze? On a encore jamais vu du bronze, je crois. Ça me parle pas. Trouver une résidence qui peut accueillir un atelier de fabrication d'outils. Changer l'utilisation de la maison en atelier de fabrication d'outils. Hein? Ok. Ah, une houe. Une houe. Houe en bronze. Il faut du bois, lingots de bronze, de la poudre de pierre noire.